une vingtaine de kilomètres de Brest, l'île d'Ouessant est un des hauts lieux de l'ornithologie européenne. L'île bénéficie d'un climat relativement doux. Toutefois, en automne, les fortes tempêtes ont pour conséquence de détourner les oiseaux migrateurs, sibériens, asiatiques ou américains, de leur route habituelle. Par ailleurs, l'île est située sur la route de migration de nombreuses espèces communes. Grâce à une variété de biotopes constitués de prairies, jardins, landes, petits bois, arbustes et de zones humides appelées stangs en breton, l'île recueille une grande variété d'espèces habituelles et occasionnelles qui s'y posent pour reconstituer leurs forces et attendre une météo plus clémente. Voilà pourquoi des espèces rares sont régulièrement observées pendant les migrations. Et c'est ce qui attire chaque année une centaine d'ornithologues de tous les pays, mais aussi de tous les niveaux. Comme dans toutes les disciplines, nous avons des niveaux dans l'ornithologie. Le dessus du panier est appelé cocheur, voire cocheur fou dans les cas extrêmes. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'un cocheur ? Le terme mérite une explication. À la fin du livre « Guide ornithologique », vous avez la liste des 848 espèces d'Europe. Devant chaque nom d'espèce, vous avez un petit carré. À chaque fois qu'un cocheur voit une nouvelle espèce, il fait une coche dans cette case, d'où l'appellation « cocheur ». La capacité d'hébergement de l'île est limitée. Peu d'hôtels, quelques gîtes d'un confort souvent rudimentaire, mais à des prix exorbitants. Pour toutes ces raisons, les ornithos choisissent de loger à l'auberge de jeunesse, mais surtout au centre ornithologique très convivial. Le confort y est relatif aussi, mais à un prix très raisonnable. C'est bien entendu le lieu idéal pour se tenir informé de l'activité ornithologique de l'île. Mais nul besoin d'être cocheur pour faire de très bonnes observations, car les oiseaux épuisés et affamés y sont peu farouches. En tout cas, beaucoup moins que sur le continent. Observons quelques exemples de ce que nous pouvons voir en nous promenant. Pour commencer notre balade, les espèces du bord de mer. Nous y rencontrons de nombreux laridés, limicoles et canards. L'huîtrier pie, le courlis cendré à la pêche au crabe, le tourne-pierre à collier qui tourne des pierres. Près du phare du Créache, dans les roselières ou sur le sable, de nombreux limicoles se nourrissent, dont bécassos et gravelots. Le bécasso variable, le bécasso minute,
Le grand gravelot. Le cormoran huppé. Le chevalier guignette. Le pluvier argenté. Des surmulots partout. Et même des phoques gris. Voyons maintenant les passereaux et échassiers comme l'aigrette garzette qui fréquentent les zones de prairies du bord de mer. Les craves à bec rouge, toujours en bande, sont omniprésents sur les côtes. Le traquet motteux. Le pipite maritime. Le pipite farlouze, très présent sur toute l'île. Moins courante, la bergeronnette printanière. Le torcol fourmilier.
Le pinson du Nord. L'aigrette garzette. Observons maintenant les espèces rencontrées à l'intérieur des terres, le plus souvent dans les petits bois de tamaris et de saules rabougris. Le pouillot siffleur. Le pouillot véloce, qui est en général une espèce très remuante. Le roitelet huppé. Il vit habituellement dans les arbres, mais là, il est au sol. Nous pouvons également y rencontrer les trois espèces de grives françaises, parfois en très grande quantité. Ici, une grive litorne. Un hibou des marais a élu domicile près du centre ornitho. Il est courant de le voir lors de nos balades au crépuscule. Deux couples de busards des roseaux sont constamment présents sur l'île. Nous les voyons souvent survoler les roselières du Créache. D'autres rapaces sont souvent observés sur Ouessan. Le faucon cresserelle. Le faucon hobereau.
deux autres espèces rarement bien visibles. Elles vivent au sol dans les sous-bois marécageux. Le râle d'eau. La marouette ponctuée. Mais, vous vous en doutez, ce n'est pas pour ces espèces, somme toute assez courantes, que les cocheurs de tous les pays viennent à Ouessant. Ils sont là pour la coche rare, exceptionnelle. Dès qu'une découverte est faite, le téléphone cellulaire, mais aussi arabe, alerte les cocheurs. Un quart d'heure après cette découverte, ils convergent parfois par dizaines sur les lieux avec leur vélo. Voilà pour ma part les coches que j'ai pu filmer en 5 séjours d'une semaine, dans des conditions souvent difficiles en raison de la pluie, du vent permanent souvent violent, mais aussi du sol très mou. Pour commencer, les espèces du nord de l'Europe et de la taïga. Le bruant des neiges. Il hiverne sur les côtes de la Baltique, de la mer du Nord et de la façade atlantique. Beaucoup plus rare, le bruant nain qui hiverne en Asie du Sud-Est. Le trakepi. Il se reproduit dans le Kazakhstan et hiverne en Afrique orientale. Il s'agit ici d'une femelle.
Le roselin cramoisi. Il vient du nord de l'Europe et hiverne aux Indes. Ici, un juvénile. Le pouillot à grands sourcils, surnommé PGS, vient de la taïga sibérienne. Il est régulier à Ouessant. Encore plus rare, le robin à flanc roux, puisqu'il n'a été vu que deux fois en France. Il vit dans le nord de la Finlande et hiverne dans le sud-est asiatique. L'Hippolaïs beauté, lui aussi très rare. Il est nicheur en Russie et Asie centrale et hiverne en Inde. Le gobe-mouche nain. Ici un adulte, il vient de Russie et d'Asie centrale et hiverne en Afrique. Là, un gobe-mouche nain juvénile. Et pour terminer, les espèces nord-américaines. La paruline rayée. Elle vient d'Alaska et hiverne au Brésil.
La grive à dos olive. Elle arrive d'Alaska et hiverne au Mexique. La Bartramie des champs. Elle vient également d'Alaska et hiverne au Brésil et en Argentine. Comme il est plus facile de voir que de filmer, nous avons, vous vous en doutez, coché d'autres espèces rares pour lesquelles nous n'avons malheureusement pas d'image correcte à vous montrer. Notamment, voilà, c'est le retour. Malgré le mauvais temps, un cocheur est resté sur le pont pour regarder une dernière fois cette île qui recèle tant de merveilles. On l'imagine triste d'avoir peut-être loupé la coche de l'oiseau rare tant désiré. Puis, se ressaisissant, il pense au prochain séjour qu'il y fera l'année suivante pour cocher, cocher, cocher.